Dans un texte publié le 17 août 2021, Patrice Siméon-Vomo faisait une analyse sur l'élection à la fast-food. Dans cette tribune, il estimait que l'ancien capitaine des Lions Indomptables est la personne idéale pour diriger la Fédération camerounaise de football. Lebledparle.com a ressuscité ce texte et vous le propose. Samuel Eto'o, la main que Paul Biya veut saluer à l'entrée du stade Olambé. Le football ne m'intéresse plus beaucoup depuis que le meilleur numéro 9 de l'histoire du Barça a accroché ses godasses. Mais j'apprécie quand l'occasion se présente les tactiques des coachs et des sélectionneurs, je salue la générosité physique dont font montre certains et le génie qui habite d'autres. En effet, un ancien Lion, l'un des plus grands footballeurs de l'histoire du football mondial n'a pas été nommé par le président du Coq en 20 à 21 sur les plus d'une trentaine responsabilisés. Mais ceux qui sont dirigés par leurs yeux, leurs oreilles et leur nez crient depuis là au scandale. Regardons entre lignes de la défense adverse pour comprendre. Les récentes invitations envoyées par le président du Coquan, le professeur Narcisse Mouel Combi, sont venues arracher le masque d'Ali Abba. Elles ne font aucunement allusion à l'existence du président de la FECAFOOD, je dis bien FECAFOOD, car celui qui y est tout sauf un visage qui parle football. Ceux qui ont le mot dur diront qu'il est un imposteur. Un véritable visage de l'horreur et de l'opprobre. Le chapelet de ses égarements est connu même dans l'au-delà. Celui qui retient plus mon attention est celui avec LFPC. Pensez humilier un camarade de classe, ami de longue date, fidèle compagnon et fidèle serviteur de l'État du Cameroun depuis plus de 60 ans, le général Semang a paru certainement comme une infamie pour le président Paul Biya. Car le président Paul Biya est un homme fidèle, loyal, humble, discret, efficace et respectueux de la hiérarchie et des textes. Surtout que le TAS, Tribunal arbitral du sport, a restitué ce vaillant fils de la forêt équatoriale dans son honneur. Honneur bafoué par l'imposteur de Tsinga. Alors, Paul Biya ne saurait serrer la main d'un tel imposteur pour un événement planétaire comme la CAN Cameroun 2021. Deuxième CAN de son histoire attendue depuis 49 ans par le peuple camerounais après celle de 1972. Plus est à l'entrée d'un stade gigantesque et futuriste, l'un des plus beaux de la planète qu'il offre aux générations futures. Quand on sait que dans son discours à la jeunesse du 10 février 2021 dernier, le président Paul Biya, au lendemain du succès du Chant 2020 organisé au pays de Manu Dibango et de Petit Pays, invitait les instances fêtières du football à se ressaisir. À la cérémonie d'ouverture dans quelques mois de la CAN Cameroun 2021, le Cameroun aura un président à la FECAFOOD, visage du futur, de la jeunesse qui ose, de la jeunesse qui se distingue de par sa combativité, son engagement, son esprit lion et sa détermination. Qui de plus ou de moins ?